fils. Ça va finir, on va aller se coucher, là. Je travaille demain, moi. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait en général? Quel genre de maudite soirée plate on passe? Pas de ma faute, c'est rien de bon à télé en soir. Si j'étais pas là, là, tu ferais quoi de tes soirées? Même affaire que là, là. François, faut qu'on fasse quelque chose. T'as raison. On va s'abonner à Super Écran. Écoute-moi, là. Faut qu'on fasse quelque chose ensemble. On pourrait aller au cinéma, voir le film des Simpsons. Je veux pas dire voir quelque chose, je veux dire faire quelque chose. Faire! Comme quand on a commencé à sortir ensemble, là. Ah, OK. Tu veux dire 3-4 fois de suite, là? Oublie ça, t'as jamais été capable. Je veux dire bouger, sortir, le rencontrer du monde, vivre. Je veux qu'on devienne un couple comme Tony et Joanne. Ils ont l'air tellement heureux ensemble, eux autres. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils font de leur soirée. Attention! L'avion va rentrer dans le garage! Il est où le piton du siège éjectable? Sûrement la même affaire que nous autres, là. Faut qu'on fasse une activité de couple, François. Il faut bouger, faire quelque chose qui nous stimulerait, qui nous amènerait à se dépasser. Ben là, tu décris pas mal le sexe, là. Quelque chose qui durerait plus que 5 minutes. Ça élimine le sexe. Oh! Hey, je te dis qu'on est bien chez nous, hein, mon gros loup? Ouais, ouais. Mm. Mais t'as pas besoin de me le dire. Je suis toujours là quand on est bien ensemble. Mais je me demande comment ça se fait qu'on est bien comme ça. Ça doit être parce qu'on est heureux. Mmh. Ouais. Mais les autres couples, là, ils font quoi de leur soirée? Bah, probablement la même affaire que nous autres. Mmh. Ouais, mais les autres couples, là, ils chicanent des fois. Oui. Pourquoi nous autres, on chicane jamais? Ah, parce que nous autres, on a défini nos rôles dans le couple, on n'essaye pas de dépasser nos limites. Le problème des autres couples, c'est qu'ils repoussent leurs limites. Ben oui, elle apprend comme Dodo, là. Mm. Hein? Elle essaye de s'accomplir en affaires. Pff, elle marche pas pantoute. Tandis que toi, t'essayes d'accomplir rien. Comme ça, y a pas de problème. J'ai quand même mon cours d'esthéticienne. Ouais, ben là, hey, peinturer des bouts de doigts, là, puis péter des boutons, pas grand risque là-dedans. Pourquoi pas des cours de danse? Pourquoi pas? Parce que ça implique de la danse. T'as parlé d'une activité qui plairait autant aux hommes qu'aux femmes, là. Les hommes aiment autant la danse que les femmes. Et tu as un mariage dernièrement? C'est la piste de danse, il y a 25 femmes pour un gars. Qui? Le fif de la gang. C'est tellement sexy, un gars qui danse bien. Ça allume toutes les femmes. Ah oui? Oui, oui. Ricky Martin, Antonio Banderas, Justin Timberlake. Les femmes capotent sur les bons danseurs. OK, mais moi, je danse comme une roche. Là. Je te pile ses pieds même quand je danse un solo. Ben, dommage, parce que la danse, c'est le contrôle du corps. Puis toutes les femmes sont unanimes là-dessus. Un bon danseur, c'est un bon baiseur. Ah, dans ce cas-là, dans le fond de moi, je dois être sûrement un bon danseur. Pour 5 minutes. C'est juste que j'ai pas développé mon talent. Mmh. Je serais peut-être prêt à, je sais pas, essayer ça, prendre une coupe de cours. Oh, c'est vrai! Tu penses que si j'essayais d'être indépendante, là, ça ferait des problèmes dans notre couple? Et pas juste dans le couple, dans la maison, dans le quartier, dans le monde. Ben, tu sauras que c'est peut-être par choix que je reste à la maison. Ben, c'est justement, on respecte nos forces. Moi, je fais des affaires, puis toi, tu admires ce que je fais. Pardon? Mais oui, ta force à toi, c'est de rien faire. Comme ça, tu rates à rien. Oh, parce que tu penses que si j'essayais de faire des choses, je raterais à coup sûr. Je sais pas. Bon,
Là, là, Tony, là, tu vas me présenter tes excuses. Parce que tu sais très bien que je pourrais faire plein de choses si je voulais. Oui, voyons donc, ben Jojo. T'es même pas capable de te faire à déjeuner. L'autre fois, Juanita est pas rentrée, t'as fait bouillir des toasts. Admire-moi, là, pis tout va être tiguidou. Ah ouais? Ben, tu vas t'admirer devant le miroir pendant un bout de temps parce que je m'en vais. Voyons donc, tu t'en vas où? Je veux dire, tu t'en vas. T'as pas m'en aller. Moi qui l'ai payé, cette maison-là. Oui, tu vas t'en aller parce que si tu t'en vas pas, là, c'est Juanita que je vais mettre dehors puis je vais tout faire sa job moi-même. Non, tu feras pas ça, hein, monsieur Joe? Oh, que oui! Non. Mais peut-être... Non. Joanne? Oh oui, oui, entrez les filles, je suis ici. Venez déjeuner avec moi. Oh, Joanne, je veux que tu saches qu'entre filles, on se tient. Hein, tu peux compter sur nous. Oui, il faut, parce qu'on peut toujours compter ces hommes pour nous sacrer là au pire moment. Hein? Oh, Tony m'a pas sacré là. C'est moi qui l'ai mis dehors. Quoi? T'as mis Tony dehors? Oui, madame. Oh, ben, je pensais jamais te dire ça, mais t'es... C'est la femme la plus brave que je connaisse, ou la plus folle. Puis il reviendra pas tant qu'il se sera pas excusé. Wow! Mais qu'est-ce qu'il a fait de si pire? Oh, c'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que mon rôle dans le couple, c'était de l'admirer. C'est un défi. Puis en plus, il a dit que j'aurais jamais de succès. Quoi? Ben, alors que je pourrais facilement faire comme vous autres, là, puis me partir une business. Mais là, facilement. Et puis ça demande quand même un minimum d'effort. Non, je pourrais faire autant d'argent que lui si je voulais. Comme vous autres, là, avec votre business, là, les profits rentrent à pleine pelletée, hein? Ben, les profits, c'est... bon, on fait plus ça pour l'art, là. Techniquement. Ouais, ouais, c'est plus comme... C'est pas la même conjoncture, là. Non, c'est un choix. Oui, mais ça marche-tu, votre business, oui ou non? Ça marche. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Tony, il te confine dans un rôle féminin archaïque d'adoratrice, puis lui, il se positionne en chasseur dominant. T'as pas à accepter ça. Oh, que non! J'ai pas accepté ça. Mais tu tiens ton bout jusqu'à ce qu'il s'excuse. Non. Faut qu'il change. Des excuses et des paroles en l'air. Son idéologie doit changer. Non, oh, je pense pas qu'il y ait ça, Tony, une idéologie. Sa philosophie. Non, ça non plus. Sa façon de penser. Oh, oh ça, oui, il y en a une. Et puis, il passe son temps à la dire à plein de monde. Bon, on déjeune-tu, les filles? Salut, Frank Skidoo. toi, là, la suite présidentielle du Ritz, là, ça a l'air de quoi, ça? Attends que je me souvienne. Je voudrais pas mélanger avec la suite du Hilton ou celle du Sheraton. Je sais-tu, moi, j'ai la misère à payer une chambre au motel idéal. Hein, c'est pas ce que tu manques, le motel idéal, toi? Le petit bain tourbillon, le petit lit en cœur qui vibre. Pourquoi tu me demandes ça, là? Ah! Aimerais-tu ça, toi, passer une couple de jours dans la suite présidentielle avec moi? Premièrement, non. Deuxièmement, pourquoi tu ne vas pas avec Joanne? Oh, elle fait le pas, là. Elle a besoin de solitude, là, puis elle veut réfléchir toute seule. Ah. Dis-moi pas, vous êtes chicané puis qu'elle a sacré dehors? Hein? Pas toi, c'est moi qui est parti. Génial. Pas ça, génial. Tu trouves ça génial, toi, que Jojo pis moi, on aille des disputes? Non, je trouve ça génial de savoir que je t'aurais pas comme voisin pendant une coupe de jour. Le cha-cha-cha est une danse originaire de... Cuba. Ah.
Le cha-cha-cha fut fondé par Enrique Rorin en... 1950. Hey, si la danse ne vous intéresse pas, dites-le. Là. Pensez venir à un cours de danse, là, pas un quiz. OK. On recommence avec les pas. Oui. Position fermée latine, pas de base. Un, temps fort, pied droit, côté diagonal. Deux, pied gauche en avant. Trois, changement de poids. Quatre, chassé de côté. Là, on reprend. OK. Allez-y. Et là. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre. Très bien, François. Très bien. T'as compris, toi? Oui, c'est simple. J'ai fait ce que dit. Dorian, c'est de la misère, là. T'as qu'à suivre, François. OK. Je fais quoi, moi, au juste? Tu suis les pas de François. Il avance le pied droit, tu recules le pied gauche, et ainsi de suite. Très facile. Oui, facile. Je fais la même chose que lui, mais de reculons, puis avec des talons hauts. C'est facile. Fais un petit effort, s'il te plaît. OK. On va y ajouter un petit Cuban break. On ouvre avec un New York, 4 et 1 New York, 4 et 1 Cuban break, devant gauche, devant droite. Toi, Dorian, ben, c'est l'opposé naturel. Allez-y. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Non, 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 Dorian, c'est pas ça. Jambe droite devant, jambe droite côté, jambe droite devant, jambe droite côté. Oh, je m'ennuie, Tony! Tu m'as pas fait traverser la ville à 3 heures du matin pour me dire que tu t'ennuies de ton mari? Mais là, tu comprends pas, là. Je suis sur le bord de craquer! T'es pas en sevrage d'alcool, Joanne, là. Non, mais Julie, t'es la meilleure que je connaisse pour vivre sans homme. Toi, t'as toujours fait ça! Merci de me le rappeler. De rien. Bon, t'as-tu fait là, les activités là, pour te donner confiance, pour t'affirmer comme je t'avais conseillé? Ben oui, j'ai pris des cours de poterie. Bon, c'est bon ça. Ça t'a donné des résultats. Tain! Wow! Et t'as fait ça toute seule? Ben non, j'ai payé le prof pour qu'elle me le fasse. Les mains dans la boîte, là. C'est justement ce qu'il faut que t'arrêtes de faire, utiliser les ressources de Tony pour toutes. Mais regarde, là, tu comprends pas, là. J'en peux plus. Je vais appeler Tony. Non. Non. Là, t'es désespéré, tu vas craquer. Moi, je vais l'appeler. Il va revenir, mais à nos conditions. OK. Qu'est-ce que tu fais là, toi? As-tu une marmotte d'un culotte qui cherche le trou? Que tu parles, hein? Ton chassé, là, c'est même pas ça. C'est chassé gauche, croisé droite. Non, non, je dansais pas, j'ai creusé des fourmis dans un paquet. Il dansait pas. Premièrement, là, ton Cuban break, tu l'as parti du mauvais pied. Mais c'est que tu connais la danse, toi? Mais tu sauras que j'ai été vice-champion de sous-section de danse sociale, monsieur. N'importe quoi. Moi, ça, n'importe quoi. Tu penses que je suis pas capable de faire de quelque chose d'expression corporelle avec mon corps? Tu penses que pour toi, je suis juste un gros cave, c'est ça? Un gros cave qui a du cash? Non, non, Tony, calme-toi, c'est correct, je te crois, là. Arrache-moi pas la tête. Wow, wow, wow. Ouais. Ah, excuse-moi. Parce que. Hey, je m'ennuie de Jojo. Fait une semaine que je l'ai pas vu. Peux-tu t'imaginer, toi? Une semaine, ça me Jojo. Certains, je me l'imagine, oui. Une semaine, ça veut dire, c'est une semaine, ça... Ding-dong, bonjour, c'est de joyeux ramoneur. C'est beau, laisse faire les détails, c'est correct. Pourquoi tu vas pas t'excuser? Ben, es-tu malade, toi? Et tout l'honneur des hommes sur mes épaules, moi, là. Commence par aller la voir. Ben non, on peut pas faire ça. En manque comme je suis, moi, dire oui à tout, là. Pas de bon sens, aura plus de sang dans le cerveau, va tout être rendu dans mes culottes. Vas-y, toi! Quoi? Moi, aller négocier avec Joanne? Mais oui! T'as pas peur de t'humilier, toi? Ah oui, vas-y! Pardon? Hey, pourquoi je ferais ça pour toi, moi? Non, non, non! Je te le demande pas.
C'est un ordre. Puis tu le fais pas pour moi. Tu le fais pour ta job. Nous avons beaucoup de revendications. Primo, nous exigeons des excuses formelles. Deuxio, un investissement dans une carrière bien à elle. Vous pouvez continuer? Bien, pour notre part, première chose, plus de sexe. Deuxièmement, ben, c'est pas mal ça, là. Là, j'espère te pratiquer, parce que là, il faut clencher les élèves d'Antonin. On va gagner ça. Yes. Me semble qu'il est un petit peu tôt, là, pour faire de la compétition, non? On est doué, on a du talent, faut l'exploiter. OK, attention, t'es prête? 4, 3, 2, 1. Ben voyons! Qu'est-ce que tu fais là? Tu me rentres dedans, là? Voyons, non! On renoue sur un New York, après, on fait le Cuban Break, pas avant, voyons! Tu me mets trop de pression! Dorian, c'est important, là. Va chercher ce que t'as en dedans de toi, là. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Ce que j'ai dans le ventre, c'est le spaghetti carbonara que j'ai mangé pour le dîner. Es-tu sûr que tu veux le voir? Dorian, c'était ton idée de faire des cours de danse, là. Ça devait être une activité pour nous rapprocher. Ben, pour nous dépasser aussi, hein. Mais on aurait peut-être été mieux avec le paintball. La prochaine fois, tu m'écouteras. Là, faut pratiquer, hein. On a un concours, attention. T'es prête? En 4, 3, 9, 1. Aïe, aïe! Aïe, aïe! Tu t'as fait exprès, là! Ben voyons donc! Je suis tellement nulle que si j'avais visé ta jambe, j'aurais pogné la patte du sofa. Joanne, tu vas être contente, on a conclu une belle entente. Oh, t'es fine, Julie. Mais ce sera pas nécessaire parce que Tony revient. Hein? Mm-hmm. Il s'est excusé, finalement. C'est tout? Mais en fait, non. C'est moi qui me suis excusée. Non, mais Tony avait raison, hein. Je l'appréciais pas assez. Tu t'es excusée. Mm-hmm. Puis le respect, ta carrière, ta fierté. Oh! Hey, inquiète-toi pas pour ma fierté. Hey, je vais être tellement fière quand je vais porter ce que Tony m'a acheté. Regarde-moi ça. Tu t'es excusée. Tu te laisses acheter. Puis t'assassines des animaux. Julie, voyons, Julie. Hey, je suis certaine que c'est des visons déprimés qui se sont suicidés. Je te dis que t'en as accumulé de l'énergie pendant une semaine. Ouais, mais tu sais, c'est vrai ce qu'ils disent, hein. Une baise après une chicane, là, c'est le top. Hein? Ouais. On devrait chicaner plus souvent. Ouais, mais chicaner sur quoi? On s'entend sur tout. Bon, je sais pas, n'importe quoi. On inventera des chicanes. Oh, oh, oh! Les Canadiens sont poches. Mais non, ça, c'est vrai. Ah. Oh! Maurice Richard, c'est un flamou! Pardon? Maurice Richard, un flamou? Hey, beau! Tu manqueras pas de respect à Maurice Richard dans ma maison! Sac ton camp! Ah ouais! Dehors! Tout de suite! Mais voyons, Tony! Fais le tour du bloc, puis viens me retrouver dans la chambre dans 5 minutes. Ah! Dorian n'est pas avec toi? Ah, oui, elle s'en vient, c'est que je suis arrivé directement du bureau. OK. J'espère qu'elle a pratiqué, hein, parce que la dernière fois que je l'ai vue, là, je savais pas si elle dansait le cha-cha ou si elle faisait du judo. Allô, qu'est-ce que tu fais bien de même? Le mieux, t'as quoi sur ma paillette, là? François, je suis désolée, mais je ferai pas la compétition.
Et puis moi, là-dedans, hein? Ben oui, lui, tu vas bousiller un talent semblable. J'ai jamais vu un gars se trémousser le bassin comme François. Inquiète-toi pas, j'ai pensé parce que je sais à quel point la compétition est importante pour toi et c'est pour ça que je t'ai trouvé quelqu'un de parfait. Ah oui? Es-tu cute? Ta-dam! Hey! Comment ça va, mon Frank Sinatra? Ben là... C'est une compétition de couple et ça spécifie pas homme ou femme. 5, 6, 7, 8, 1... Chantal Lacroix vous invite à vivre 90 minutes de bonheur tout de suite après Love Story. Parmi ses invités, José Lito Michaud, Jean-Marie Lapointe et Michael. Bonne soirée à TQS. Ils chicanent des fois. Oui. Pourquoi nous autres, on chicane jamais? Ah, parce que nous autres, on a défini nos rôles dans le couple, on n'essaye pas de dépasser nos limites. Le problème des autres couples, c'est qu'ils repoussent leurs limites. Ah oui, elle apprend comme dodo, là. Mm. Hein? Elle essaye de s'accomplir en affaires. Pff, elle marche pas pantoute. Tandis que toi, t'essayes d'accomplir rien. Ça, y a pas de problème. J'ai quand même mon cours d'esthéticienne. Ouais, ben là, hey, peinturer des bouts de doigts, là, puis péter des boutons, pas grand risque là-dedans. Pourquoi pas des cours de danse? Pourquoi pas? Parce que ça implique de la danse. T'as parlé d'une activité qui plairait autant aux hommes qu'aux femmes, là. Les hommes aiment autant la danse que les femmes. Es-tu allé à un mariage dernièrement? Sur la piste de danse, il y a 25 femmes pour un gars. Qui? La fif de la gang. C'est tellement sexy, un gars qui danse bien. Ça allume toutes les femmes. Ah oui? Mais oui. Ricky Martin, Antonio Banderas, Justin Timberlake. Les femmes capotent sur les bons danseurs. OK, mais moi, je danse comme une roche. Là. Je te pisse les pieds même quand je danse un solo. Ben, dommage, parce que la danse, c'est le contrôle du corps. Puis toutes les femmes sont unanimes là-dessus. Un bon danseur, c'est un bon baiseur. Ah, dans ce cas-là, dans le fond de moi, je dois être sûrement un bon danseur. Pour 5 minutes. Mais... C'est juste que j'ai pas développé mon talent. Mmh. Je serais peut-être prêt à, je sais pas, essayer ça, prendre une coupe de cours. Oh, c'est vrai! Tu penses que si j'essayais d'être indépendante, là, ça ferait des problèmes dans notre couple? Et pas juste dans le couple, dans la maison, dans le quartier, dans le monde. Ben, tu sauras que c'est peut-être par choix que je reste à la maison. Ben, c'est justement, on respecte nos forces. Moi, je fais des affaires, puis toi, tu admires ce que je fais. Pardon? Mais oui, ta force à toi, c'est de rien faire. Comme ça, tu rates à rien. Oh, parce que tu penses que si j'essayais de faire des choses, je raterais à coup sûr. Je sais pas. Bon, là, là, Tony, là, tu vas me présenter tes excuses. Parce que tu sais très bien que je pourrais faire plein de choses si je voulais. Oui, voyons donc, ben Jojo. T'es même pas capable de te faire à déjeuner. L'autre fois, Juanita est pas rentrée, t'as fait bouillir des toasts. Admire-moi, là. Pis tout va être tiguidou. Ah ouais? Ben, tu vas t'admirer devant le miroir pendant un bout de temps parce que je m'en vais. Voyons, non. Tu t'en vas où? Je veux dire, tu t'en vas. T'as pas m'en aller. Moi qui l'ai payé, cette maison-là. Oui, tu vas t'en aller parce que si tu t'en vas pas, là, c'est Juanita que je vais mettre dehors puis je vais tout faire sa job moi-même. Non, ouais, tu... Tu feras pas ça, hein, Jojo? Oh, que oui! Non, non, non. Mais peut-être... Non. Joanne? Oh, oui, oui! Entrez, les filles, je suis ici!
venez déjeuner avec moi? Jeanne, je veux que tu saches qu'entre filles, on se tient. Hein, tu peux compter sur nous. Oui, il faut, parce qu'on peut toujours compter ces hommes pour nous sacrer là au pire moment, hein? Oh, Tony m'a pas sacré là. C'est moi qui l'ai mis dehors. Quoi? T'as mis Tony dehors? Oui, madame. Ah, oh, ben, je pensais jamais te dire ça, mais t'es... C'est la femme la plus brave que je connaisse. Ou la plus folle. Puis il reviendra pas tant qu'il se sera pas excusé. Wow! Mais qu'est-ce qu'il a fait de si pire? Oh, c'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que mon rôle dans le couple, c'était de l'admirer. C'est un défi. Puis en plus, il a dit que j'aurais jamais de succès. Quoi? Ben, alors que je pourrais facilement faire comme vous autres, là, puis me partir une business. Mais là, facilement. Ouais, puis ça demande quand même un minimum d'effort. Non, je pourrais faire autant d'argent que lui si je voulais. Comme vous autres, là, avec votre business, là, les profits rentrent à pleine pelletée, hein? Ben, les profits, c'est... bon, on fait plus ça pour l'art, là. Techniquement. Ouais, ouais, c'est plus comme une chose. Oublie ça, t'as jamais été capable. Je veux dire bouger, sortir, le rencontrer du monde, vivre. Je veux qu'on devienne un couple comme Tony et Joanne. Ils ont l'air tellement heureux ensemble, eux autres. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils font de leur soirée. Sûrement la même affaire que nous autres, là. Faut qu'on fasse une activité de couple, François. Il faut bouger, faire quelque chose qui nous stimulerait, qui nous amènerait à se dépasser. Ben là, tu décris pas mal le sexe, là. Quelque chose qui durerait plus que 5 minutes. Ça élimine le sexe. Oh! Hey, je te dis qu'on est bien chez nous, hein, mon gros loup? Ouais, ouais. Mm. Mais t'as pas besoin de me le dire. Je suis toujours là quand on est bien ensemble. Mais je me demande comment ça se fait qu'on est bien comme ça. Ça doit être parce qu'on est heureux. Mm. Ouais. Mais les autres couples, là, ils font quoi de leur soirée? Bah, probablement la même affaire que nous autres. Mm. Mais les autres finir, on va aller se coucher, là. Je travaille demain. Oui. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait en général? Quel genre de maudite soirée plate on passe? Alors, pas de ma faute, c'est rien de bon à télé en soir. Si j'étais pas là, là, tu ferais quoi de tes soirées? Même affaire que là, là. François, faut qu'on fasse quelque chose. T'as raison. On va s'abonner à Super Écran. Moi, là, faut qu'on fasse quelque chose ensemble. On pourrait aller au cinéma, voir le film des Simpsons. Je veux pas dire voir quelque chose, je veux dire faire quelque chose. Faire! Comme quand on a commencé à sortir ensemble, là. Ah, OK. Tu veux dire 3-4 fois de suite, là? Mais t'as pas besoin de me le dire. Je suis toujours là quand on est bien ensemble. Mais je me demande comment ça se fait qu'on est bien comme ça. Ça doit être parce qu'on est heureux. Mmh. Ouais.
Mais les autres couples, là, ils font quoi de leur soirée? Bah, probablement la même affaire que nous autres. Ouais, mais les autres couples, là, ils chicanent des fois. Oui. Pourquoi nous autres, on chicane jamais? Ah, parce que nous autres, on a défini nos rôles dans le couple, qu'on n'essaye pas de dépasser nos limites. Le problème des autres couples, c'est qu'ils repoussent leurs limites. Ben oui, elle apprend comme dodo, là. Hein? Elle essaye de s'accomplir en affaires. Pff, elle marche pas pantoute. Tandis que toi, t'essayes d'accomplir rien. Ça, y a pas de problème. J'ai quand même mon cours d'esthéticienne. Ouais, ben là, hey, peinturer des bouts de doigts, là, puis péter des boutons, pas grand risque là-dedans. Pourquoi pas des cours de danse? Pourquoi pas? Parce que ça implique de la danse. T'as parlé d'une activité qui plairait autant aux hommes qu'aux femmes, là. Les hommes aiment autant la danse que les femmes. Es-tu allé à un mariage dernièrement? Ça abuse de danse, il y a 25 femmes pour un gars. Qui? Le fif de la gang. C'est tellement sexy, un gars qui danse bien. Ça allume toutes les femmes. Ah ouais? Mais oui, Ricky Martin, Antonio Banderas, Justin Timberlake, les femmes capotent sur les bons danseurs. OK, mais moi, je danse comme une roche. Là. Je te pile ses pieds même quand je danse un solo. Ben, dommage, parce que la danse, c'est le contrôle du corps. Puis toutes les femmes sont unanimes là-dessus. Un bon danseur, c'est un bon baiseur. Ah, dans ce cas-là, dans le fond de moi, je dois être sûrement un bon danseur. Pour 5 minutes. C'est juste que j'ai pas développé mon talent. Là. Je serais peut-être prêt à, je sais pas, essayer ça, prendre une coupe de cours. Oh, c'est vrai! Oh. Tu penses que si j'essayais d'être indépendante, là, ça ferait des problèmes dans notre couple? Et pas juste dans le couple, dans la maison, dans le quartier, dans le monde. Ben, tu sauras que c'est peut-être par choix que je reste à la maison. Ben, c'est justement, on respecte nos forces. Moi, je fais des affaires, puis toi, tu admires ce que je fais. Pardon? Mais oui, ta force à toi, c'est de rien faire. Comme ça, tu rates à rien. Oh, parce que tu penses que si j'essayais de faire des choses, je raterais à coup sûr. Je sais pas. Bon, là, Tony, là, tu vas me présenter tes excuses. Parce que tu sais très bien que je pourrais faire plein de choses si je voulais. Oui, voyons donc, mais Jojo, t'es même pas capable de te faire à déjeuner. L'autre fois, Juanita est pas rentrée, t'as fait bouillir des toasts. Admire-moi, là, pis tout va être tiguidou. Ah ouais? Ben, tu vas t'admirer devant le miroir pendant un bout de temps parce que je m'en vais. Voyons donc. T'en vas où? Je veux dire, tu t'en vas! Tu vas pas m'en aller. Moi qui l'ai payé, cette maison-là. Oui, tu vas t'en aller parce que si tu t'en vas pas, là, c'est Juanita que je vais mettre dehors puis je vais tout faire sa job moi-même. Non, tu feras pas ça, hein, ma Jojo? Oh, que oui! Non. Mais peut-être... Non. Joanne? Oh oui, oui, entrez les filles, je suis ici. Venez déjeuner avec moi. Joanne, je veux que tu saches qu'entre filles, on se tient. Hein, tu peux compter sur nous. Oui, il faut, parce qu'on peut toujours compter ces hommes pour nous sacrer là au pire moment. Hein? Oh, Tony m'a pas sacré là. C'est moi qui l'ai mis dehors. Quoi? T'as mis Tony dehors? Oui, madame. Ah, oh, ben, je pensais jamais te dire ça, mais t'es... T'es la femme la plus brave que je connaisse. Ou la plus folle. Puis il reviendra pas tant qu'il se sera pas excusé. Wow! Mais qu'est-ce qu'il a fait de si pire? Oh, c'est pas ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que mon rôle dans le couple, c'était de l'admirer. C'est un défi. Puis en plus, il a dit que j'aurais jamais de succès. Quoi? Ben, alors que je pourrais facilement faire comme vous autres, là, puis me partir une business.
Mais là, facilement. Et puis ça demande quand même un minimum d'efforts. Non, je pourrais faire autant d'argent que lui si je voulais. Comme vous autres, là, avec votre business, là, les profits rentrent à pleine pelletée, hein? Ben, les profits, c'est... bon, on fait plus ça pour l'art, là. Techniquement. Oui, oui, c'est pas la même conjoncture, là. Non, c'est un choix. Oui, mais ça marche-tu, votre business, oui ou non? Ça marche. Oui, ça marche. Ça marche. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Tony, il te confine dans un rôle féminin archaïque d'adoratrice, puis lui, il se positionne en chasseur dominant. T'as pas à accepter ça. Oh, que non! J'ai pas à accepter ça. Mais tu tiens ton bout jusqu'à ce qu'il s'excuse. Non. Faut qu'il change des excuses et des paroles en l'air. Son idéologie doit changer. Non, je pense pas qu'il y ait ça, Tony, une idéologie. Sa philosophie. Non, ça non plus. Sa façon de penser. Oh! Oh, ça, oui, il y en a une. Et puis, il passe son temps à la dire plein de monde. Bon, on déjeune-tu, les filles? Salut, Frank Skidoo. Toi, là, la suite présidentielle du Ritz, là, ça a l'air de quoi, ça? Attends que je me souvienne. Je voudrais pas mélanger avec la suite du Hilton ou celle du Sheraton. Attends. Sais-tu, moi, j'ai la misère à payer une chambre au motel idéal. Hein? C'est pas ce que tu manques, un motel idéal, toi? Le petit bain tourbillon, le petit lit en cœur qui vibre. Pourquoi tu me demandes ça, là? Ah! Aimerais-tu ça, toi, passer une couple de jours dans la suite présidentielle avec moi? Premièrement, non. Deuxièmement, pourquoi tu ne vas pas avec Joanne? Oh, elle fait le pas, là. Elle a besoin de solitude, là, puis elle veut réfléchir toute seule. Ah. Dis-moi pas, vous êtes chicané quand elle a sacré dehors? Hein? Ah, toi, c'est moi qui est parti. Génial. Pas ça, génial. Tu trouves ça génial, toi, que Jojo pis moi, on aille des disputes? Non, je trouve ça génial de savoir que je t'aurais pas comme voisin pendant une coupe de l'eau. Le cha-cha-cha est une danse originaire de Cuba. Ah. Le cha-cha-cha fut fondé par Enrique Rorin en 1950. Hey, si la danse ne vous intéresse pas, dites-le. Là. Pensez venir à un cours de danse, là, pas un quiz. OK. On va commencer avec les pas. Oui. Position fermée latine, pas de base. Un, temps fort, pied droit, côté diagonal. Deux, pied gauche. On va aller se coucher, là. Je travaille de même. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait en général? Quel genre de maudite soirée plate on passe? Alors, pas de ma faute, c'est rien de bon à télé en soir. Si j'étais pas là, là, tu ferais quoi de tes soirées? Même affaire que là. François, faut qu'on fasse quelque chose. T'as raison. On va s'abonner à Super Écran. Écoute-moi, là. Faut qu'on fasse quelque chose ensemble. On pourrait aller au cinéma? Voir le film des Simpsons? Je veux pas dire voir quelque chose, je veux dire faire quelque chose. Faire! Comme quand on a commencé à sortir ensemble, là. Ah, OK. Tu veux dire 3-4 fois de suite, là? Oublie ça, t'as jamais été capable. Je veux dire bouger, sortir, le rencontrer du monde, vivre.
Je veux qu'on devienne un couple comme Tony et Joanne. Ils ont l'air tellement heureux ensemble, eux autres. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils font de leur soirée. Attention! L'avion va rentrer dans le garage! Il est où le piton du siège éjectable? Sûrement la même affaire que nous autres, là. Faut qu'on fasse une activité de couple, François. Il faut bouger, faire quelque chose qui nous stimulerait, qui nous amènerait à se dépasser. Ben là, tu décris pas mal le sexe, là. Quelque chose qui durerait plus que 5 minutes. Ça élimine le sexe. Oh! Hey, je te dis qu'on est bien chez nous, hein, mon gros loup? Ouais, ouais. Gauche en avant. 3, changement de poids. 4, chassé, de côté. Non, prends! OK. Allez-y. Là! 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Très bien, François! Très bien! T'as compris, toi? Ben oui, c'est simple. J'ai fait ce qu'il dit. Dorian, c'est de la misère, là. T'as qu'à suivre, François. OK. Je fais quoi, moi, au juste? Tu suis les pas de François. Il avance le pied droit, tu recules le pied gauche, et ainsi de suite. Très facile. Ben oui, facile. Je fais la même chose que lui, mais de reculons, puis avec des talons hauts. C'est facile. Fais un petit effort, s'il te plaît. OK. On va y ajouter un petit Cuban break. On ouvre avec un New York, 4 et 1 New York, 4 et 1 Cuban break, devant gauche, devant gauche, devant droite, devant droite. Toi, Dorian, ben, c'est l'opposé naturel. Allez-y. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Non, 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 Dorian, c'est pas ça! Jambe droite devant, jambe droite côté, jambe droite devant, jambe droite côté. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je m'ennuie, Tony! Tu m'as pas fait traverser la ville à 3 h du matin pour me dire que tu t'ennuies de ton mari. Mais là, là, tu comprends pas, là. Je suis sur le bord de craquer. T'es pas un sevrage d'alcool, Joanne, là. Non, mais Julie, t'es la meilleure que je connaisse pour vivre sans homme. Toi, t'as toujours fait ça. Merci de me le rappeler. De rien. Bon, t'as-tu fait là, les activités là, pour te donner confiance, pour t'affirmer comme je t'avais conseillé? Ben oui, j'ai pris des cours de poterie. Bon, c'est bon ça. Ça t'a donné des résultats? Tiens! Wow! Tu t'es fait ça toute seule? Ben non, j'ai payé le prof pour qu'elle me le fasse. Hey, moi, me mettre les mains dans la boîte, là. C'est justement ce qu'il faut que t'arrêtes de faire, utiliser les ressources de Tony pour toutes. Mais regarde, là, tu comprends pas, là. J'en peux plus. Je vais appeler Tony. Non! Non. Là, t'es désespéré, tu vas craquer. Moi, je vais l'appeler. Il va revenir, mais à nos conditions. OK. Hein, je fais là.